Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le jeu Resident Evil 4, qui est quand même un jeu, on va pas se le cacher, hein, ça fait plaisir de jouer dessus quoi. Voilà, donc du coup on va sur une nouvelle partie. Donc j'ai la possibilité de choisir professionnel, mais d'abord je vais faire le normal pour vous montrer un peu ce que je vaux, tout ça. Un peu comment je joue, tout ça, voilà. Et après on va sur du professionnel, mais cette fois bah, on va le faire au couteau, le plus possible au couteau, donc on va dire du 80% couteau à peu près. Ou 70, j'en sais rien. Après, voilà, je peux pas évaluer comme ça, moi c'est chaud au pif. Et du coup, on aura aussi du pistolet, du sniper pour certaines parties, et aussi du lance-grenade, enfin du lance-mine, ça c'est sûr. Voilà, donc je sais pas exactement ce qu'on aura, mais ça va tourner surtout au couteau. On verra bien, on va sûrement y arriver. Assez difficilement. Bon alors du coup, là on va faire du normal. Par contre, je vais vous retrouver dans quelques minutes. Je crois que c'est dans 4-5 minutes, enfin un peu moins. Je sais plus combien de temps ça dure la vidéo. Mais la vidéo de début, je vous la laisse et je parle pas. Comme ça, vous entendrez tout et puis au moins, bah, vous verrez la cinématique. Donc vous pouvez la couper. Hein, de toute façon, je vous mettrai une fiche. Là normalement, vous voyez une fiche pour couper, enfin pour aller plus loin dans la vidéo. Vous cliquez dessus et hop, vous pouvez y aller directement. Et vous me retrouvez directement au gameplay. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Freezing. So cold all of us aren't.
must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Voilà, donc du coup, on se retrouve vite avec le gameplay. Et bah, on va faire ce fameux jeu plutôt, franchement, exceptionnel. Ça, on peut se dire. Donc du coup, je vais juste un peu reculer. Et on va prendre, bien entendu... Putain, ça fait 2. C'est pas grave, moi j'ai tiré comme un con en plus. Et j'ai cru que j'étais le tireur plus rapide du monde. Allez, c'est parti. Voilà, donc après avoir pris ce spinel. Ouais, puis merde, attendez, deux secondes. Hop, voilà, je mets bien. Voilà. Et c'est parti. Alors moi, la première fois, je crois que j'ai joué au jeu, en fait, je courais jamais dans le jeu. Donc j'étais toujours comme ça. Donc vous imaginez bien comment c'était bien long, tu vois. Et puis le moment où j'ai su qu'on pouvait courir dans ce jeu, là, j'étais content. Là... I was wondering if you might recognize the girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Je parle pas espagnol. Ouais, c'est parti. Freeze. I said freeze. On s'en fout, c'est parti. Voilà. Donc ouais, donc je parle pas espagnol, donc je peux pas vraiment vous traduire les mots, ce qui est dommage. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Il va falloir que je change de manette pour la prochaine fois. Non, putain, oh, ça me saoule. Et franchement, sans le couteau, je peux pas jouer. Moi, je peux réussir. Bon. C'est vrai que j'avais oublié que fonctionnait pas bien la touche. Soit j'arrive à trouver un torque spécial de taille 8, soit je suis obligé de changer de manette. Ça reste comme ça qu'ils sont morts. Shit. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Allí está! Ce n'est pas un zombie. D'accord. Bon, on va pas aller là-bas, on s'en fout. Ouais, c'est parti les gars. Putain, du coup je peux pas économiser mes balles, ça me saoule. Enfin bon. C'est pas très grave. Faut vite te calmer toi déjà. Oh merde. Oh. Bon. Au moins on peut foutre du coup de pied. Oh, ferme ta gueule. Ah mais... Hein, mais oh, tu vas arrêter. Voilà. Vous voyez comme c'est chiant. Putain.
Bon, pardon. Voilà. Arrête tes conneries. Ça va vraiment être très chiant en fait. Allez, c'est parti, on se dépêche, hein, c'est le début. On court, on court, on court, on court. Oh merde, j'avais oublié celui-là. Ouais. Merde, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Surtout sur console, c'est différent de GameCube et de la Wii. Donc c'est pas super optimisé au niveau des touches, ce qui est très dommage. Du genre, pour voir l'inventaire, tu mets start quoi. Oui. Et quand tu mets back, et ben ça met start. Bon, ce qui est un peu débile, mais bon, c'est comme ça. Et on peut pas y changer. Moi j'aurais mis Y pour l'inventaire. Start pour mettre start et back pour mettre la carte. Mais bien entendu, c'est Y pour mettre la carte. Non mais bon, voilà, ils sont débiles, hein, qu'est-ce que je te dise. Il n'y a pas quelqu'un là ? Ouais, si. Bon, on peut utiliser de munitions. Bon, du coup, ça va durer plus longtemps si je fais des trucs comme ça, mais bon. Au moins, on utilise moins de munitions possible. J'ai dit quoi, toi ? En fait, tu veux vraiment une tarte de ta gueule, hein ? Voilà, viens, moi. Ça, c'est fait. Je parie que t'as rien. Ouais, j'en étais sûr. C'est parti, on y va les gars. Bon. On va se faire plaisir, ça c'est sûr. Bon, non, mais personne. Ok, personne. C'est parti. Bon, malheureusement je me suis fait voir, ce qui est dommage. Bien voulu les prendre plus facilement. Ah, c'est bon, ils viennent pas. Ok, c'est bon. Ça, bon. Oh merde. Ça par contre c'est pas prévu. Mais non, putain, pas aussi. En fait j'appuie tellement fort sur... Je vais me faire enculer. Bon. Ah, oh putain. J'appuie tellement fort sur la touche que... Wouah, j'ai de la chance. Je suis en train de me niquer le doigt là. Alors eux franchement, j'ai beau leur tirer dessus, jamais réussi. Là. Même avec un mode, dès le début t'as lance-roquette et tout. Impossible de les toucher. Enfin, impossible de les tuer. Ouais. Ils ont été prévus pour pas être morts. Allez, toi, tu vas te fumer déjà. Allez, petit couteau. Et voilà. Putain, ça nique le doigt, c'est un truc de fou. Oh. Hop là. Du pistolet, de l'argent, tout ce qu'il faut. Alors, ce que j'ai remarqué, par contre, à force de jouer, c'est qu'on gagne beaucoup plus d'argent la première fois quand on fait le jeu que toutes les autres fois en fait. C'est assez hallucinant quand même. Et pourtant on améliore moins de choses, on fait moins de choses et tout, et on gagne moins d'argent. Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks. Bon, alors manuel du jeu, hein, on s'en fout un peu. Voilà, si vous voulez lire, vous mettez pause, mais bon, c'est pas très utile. Voilà. Aïe putain, ouais. On va pas regarder, hein, ça sert à rien. On va juste passer là. On va déjà prendre des trucs. Sans trop se faire repérer. Par contre l'autre elle me casse les couilles, je vais me faire repérer. Si je fais doucement. Ah, c'est bon, c'est moi. Tu me reconnais pas là? C'est Jean-Louis. Connasse. C'est cut. Oh, tu vas te calmer toi. Putain, ce couteau il commence vraiment. Bon. C'est parti. Bon, limite j'y prendrai après parce que là j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Allez, arrête, je m'en fous. Allez. Bon, ça va être dur mais on va quand même le faire. Oh, toi ta gueule déjà. Hop là, tu fermes ta gueule. Voilà, ce qu'on va faire. On va aller directement là-haut et on va se faire plaisir. Mais ferme ta gueule. Non. Vous avez vu que vous camez, vous. Ok. Ça va pas le faire. Alors juste,
Ah bah la porte il l'a fait, c'est enculé. J'allais dire on fait pas la porte, mais au moins il viendra plus vite avec ton arme. C'est pas le cas. Bon. Voilà ce que je vais faire. C'est que je vais vite prendre le fusil à pompe. Ouais. Donc pour l'instant on peut utiliser les balles de fusil à pompe. Pas un souci. Voilà. Alors juste au cas où. Voilà. Donc on se pose pas de questions, hein. De toute façon on est en normal donc c'est pas bien compliqué. Mais on met direct. Oh merde, putain de couteau de merde. Bon, on va utiliser le pistolet, c'est pas grave. Merde. Bon, c'est pas grave. Hop. Oh mais. Vous voyez comme c'est chiant. Non, franchement, la prochaine fois. Faut vraiment que je fasse quelque chose. Oui, 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 mais non. Je veux bien, mais pas vraiment. Bon, allez. C'est parti. Hop. Alors, juste astuce, vite fait, comme ça, on vous l'assurait. Quand vous améliorez une arme au niveau de sa capacité des munitions, le mieux, c'est d'attendre. Enfin, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de munitions dans le chargeur, ou le moins possible, comme ça vous regagnez tous vos munitions. Bon, je suppose que vous avez déjà réfléchi à ça, mais... Arrête tout, ça peut aider. Ferme ta gueule. Voilà, vous voyez, hop, les munitions de feu à pompe, on s'en bat les couilles. On les utilise, parce que ça sert... Oh, déjà, oh, par contre... J'y ai pas pensé. Tu fermes ta gueule s'il te plaît. Mais j'en ai plus. Ce qui est bien avec le fusil à bombe, c'est que ça fait des putains de dégâts de zone. Et ça, c'est de la balle. Alors, par contre, ça, j'ai pas prévu. Qui vient de me choper ce fils de pute. Oui, alors par contre, c'est pas que je veux le pognon. Hein. Bah, à la limite, ça me sert à rien. Merde, putain, je suis lent. Allez, ta gueule, putain. Hop, je me saoulais. Allez, crame, crame. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous êtes rouge rouge, vous avez le minimum de vie, et ben vous ne pourrez jamais crever avec le feu. En gros, le feu vous tuera jamais. Quoi. Jamais possibilité que le feu vous tue. Donc voilà, donc c'était pour vous dire comme ça. Si jamais vous ne savez pas, c'est jamais. Hein, des fois, hein, ça peut toujours être utile de dire les choses. Bon, je pense que je vais attendre avant de reprendre de la vie. Par contre, j'ai juste. Bien. Bon, c'est pas grave pour l'argent. Il ne peut y avoir beaucoup non plus. Juste aller dans la maison, ça sera plus safe. Ouais, si jamais il y a des gens qui passent, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais un peu. On va aller dehors, hein. Putain, par contre avec mon bouton qui merde là. Putain, c'est vraiment de la merde ces boutons. Là, je vous attends, non, là, attends. On va plutôt aller là avant. Ah non, il y a personne. Putain, on sait jamais d'où ils viennent ces potes. D'accord. Tant mieux. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il va y avoir quelqu'un ici. Tu fermes ta gueule. Qu'est-ce que tu fais, toi? Putain, c'était pas bon. Casse-toi. Ah ouais, mais non, mais si vous venez de tous les côtés. Ça va pas le faire. Ah mais retourne-toi pas. Putain c'est pas possible. Ce bouton, merde. C'est le coup je me trappe. Voilà, c'est pas bien compliqué, je suis longtemps. Ouais, ça par contre c'est vrai que je suis rouge et c'est pas bon signe. Bon, sans non plus utiliser des. Et comme je pense. Alors juste, on va vite fait se configurer vite fait s'il y a possible des commandes. Non, ah, si configuration des touches, on peut pas y changer si on peut. Alors, ouais, donc tirer L plus T, ok. Et le couteau, c'est LB. Ok, attaque. Ok, donc si on change, est-ce qu'on peut mettre... Alors le couteau, attaque avec le couteau, voilà, donc... A plus X, ok, donc action ça sera avec X, courir normal comme d'habitude, ça c'est magnifique.
Ok. Et pour tirer, ça serait pareil. Donc voilà, on va faire comme ça, les gars. Je vais m'y habituer, ça c'est clair. Il n'y a pas tout. Oh, le RB en plus pour donner un ordre à Ashley. Et franchement, on n'est pas sur un truc de fou. Alors là, on est sur du option passée. Le start sur du statut. Qu'est-ce que c'est, statut? Ouais, la carte. Ouais, c'est comme d'habitude en fait. Ok, bah là, je crois qu'on a la config parfaite, les gars. Et bah voilà. Tout simplement, franchement, magnifique. Allez, c'est parti. Voilà. Attends, c'est pas bon ça? Voilà, même pas besoin de changer de manette. Et bim, pile quand on enlève, ça sonne. Et c'est pas magnifique. Oh là 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 là. Bon, on va aller jusqu'à la sauvegarde qui a. Ouais, ah, putain, ça me donne envie d'aller plus loin, les gars. Putain. Ouais, premier épisode, faut pas le faire non plus trop long. Puis ouais, même les autres, hein, mais. Moi, je voudrais dépasser. Enfin, je voudrais pas dépasser les 30 minutes. Je voudrais pas dépasser. Je pense que je vais. Jusqu'à la sauvegarde et puis on va s'arrêter. Je vais visiter un peu, enfin je vais récupérer un peu ce qu'il faut. Et puis on va aller à la sauvegarde et puis au moins ce sera fait. Et puis on va, bah, voilà, on verra pour l'autre épisode après. Je pense que je vais faire comme ça. Onega, I've some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Allez, c'est parti les gars, on fait vite, histoire de pas trop perdre de temps. Histoire de perdre du temps inutilement. Donc là, il y a un petit pistolet, là, un truc. Toi, tais-toi. Voilà. C'est vrai qu'il court un peu moins vite quand il n'y a pas le truc, là. Quand il n'y a pas de vie. Voilà, une petite grenade, fait toujours plaisir, faut le garder pour le boss de fin. Ouais. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller... Là-bas. Alors on finira l'autre côté. Et on se casse. Ah ouais, mais je crois qu'il y a une sauvegarde. Oh, bah vous savez quoi, on finit le chapitre. Franchement, allez, on est des fous. On finit le chapitre, on fait. Putain de... Ah oui, c'est vrai, il faut que je m'y habitue. Ah ouais, putain, ça va être chaud là. Ah ouais, putain. Je suis en train d'appuyer quand même malade sur la touche, ça fonctionne pas. J'y vais, allez, vas-y, faut tirer foutre. Bon, ouais, c'est parti. Donc pour recharger, du coup, comment on fait? On fait comme ça. Ok, d'accord, pas de soucis. Ah, oh, ça va être chaud. Oulala. Bon. Donc, pour recharger, c'est comme d'habitude, hein. Tu présentes ton arme et t'appuies sur A. Putain, le spinel en haut là, oh. Je peux pas le laisser, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, ça va me faire perdre du temps, mais c'est pas grave. On va monter là-haut puis après on va descendre. On va faire ça. Bah, attends, on va monter par là. Putain, il court pas bien vite, hein. Ouais, c'est parti. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, enfin je crois, hein, que la maison n'est pas loin. Je crois qu'on monte là. Ah mais il y a tellement une zone à regarder, putain. Oh, j'en sais rien. On va dire c'est le premier épisode, voilà, on fait les fous. Les autres seront un peu moins longs. On va faire vite. Hein. Merde. Putain. Je verrai comment je fais. Putain, il faut vraiment que je m'habitue. Il faut vraiment... Ok, va te faire foutre. Bon, faut vraiment que je m'y habitue. Bon, allez, on va faire le plus vite possible. On va quand même prendre le maximum de choses. Voilà. Ok, ou même que je vous fasse découvrir des choses, ça peut être pas mal. Ah, donc on s'en fout, hein, on va pas lire. On va pas lire ça. Voilà. Donc, oui, il n'y a rien, j'ai jamais rien eu. Oh, mais putain. Donc après un petit dérangement, on se retrouve tout simplement pour continuer. C'est parti. Bon déjà, ce qu'on va faire, très important. Voilà. Hop. Oui bon, c'est bon, tais-toi. Ok, donc ça on s'en fout. Ah non, merde, c'est pas ça que je vais faire. Ok, bah de toute façon on va faire un pistolet, on est obligé. Les autres font nous voir, ça va me saouler. Ok, bah c'est pas grave.
Okay. Putain, il faut vraiment que je m'habitue. Je vais m'habituer, vous inquiétez pas. Je vais m'y habituer. Toi, va te faire foutre. Non, je rigole. C'est pas vrai. Ouais, non, j'ai pas le temps par contre. Putain, comme c'est trop pratique comme ça. Oh là là, le coup de couteau, franchement. Mais il y aurait pas de coup de couteau dans TL4, ça serait de la merde. Y a rien à dire, le coup de couteau dans TL4 est mythique. Merde, mais il vient d'où l'autre? Vas-y. Toi, tu m'as suivi de là-bas, quoi. Espèce d'enculé de merde. Ouais, je peux pas, de toute façon. Mais merde. Chaque fois que je me trompe. Il dit, oh, je l'ai bien entendu. Bon. Au moins, je suis nickel. J'appuie sur une touche et bim, je le cut. Non, mais il va arrêter, oui. Toi, tu vas pas me soulever longtemps. Ah merde, putain. Bon. Ouais, par contre, je suis dans la merde. Mais j'aimerais bien trouver une. Ah, mais j'en ai une en plus. Eh, mais ouais, mais nickel. Combiné avec ça. Mais comment on fait pour déplacer comme ça? Okay. C'est parti. Ça, on gagne un peu de la place. Ça, ça peut être utile pour l'autre là. Pour qu'elle arrête de faire chier. Hop là. C'est parti. Via pompe. Merde. Hop. Oh, t'arrêtes de gueuler, toi. Je t'ai aidé tout à l'heure. T'as intérêt à m'aider tout à l'heure. Ok, c'est bon. Là, bah, y'a rien du tout, de toute façon. Ouais, ok. Donc là, on peut faire un bug si on veut. Mais je crois qu'il fonctionne plus là-dessus. Je sais plus du tout. Mais je sais qu'il y avait un bug là. Chut, comme ça. Je crois que j'avais essayé en plus. Que j'avais réussi, je crois. Qu'on peut aller là-bas. Il y a une arme là-bas, je sais pas quoi. Enfin bon, là on s'en fout, on n'a pas trop envie de faire ça. Donc du coup, là maintenant, ce que je vais faire, bah, je vais prendre ça, ça sera fait. Voilà, et puis je vais prendre le reste des médaillons. Non, c'est pas maintenant qu'il y en a au sol. C'est parti. Bien entendu, l'autre n'a pas entendu tirer tout à l'heure. Tant mieux. Bon, ce qu'on va faire... Est-ce qu'on va tout choper là et après je sais pas ce qu'on va faire. Merde. Ça, j'avais oublié par contre. Oups. Ah, tes conneries. Non, j'ai pas du tout tiré, t'as rien entendu. Ok, d'accord. Alors juste comme ça. Merde. Ok, y a pas un médaillon là-haut? Eh si. C'est un petit moment que j'ai pas joué, donc je suis pas sûr de me souvenir de tout, mais normalement. C'est bon. Ah donc il a rien entendu, mais c'est génial. T'entends vraiment rien toi en fait. Y'a ton pote qui s'est tué, tu t'en bats les couilles. C'est d'une méchanceté. Ouais. C'est bon? Ok. Hop, on prend du pistolet. Alors, du coup, on va... Ah merde, hop. Oh, magnifique. Juste devant nous, au moment où il faut. Ça, c'est fort. On va pas chercher à aller là-bas maintenant. On va juste tirer le médaillon. Allez. Non. Oh putain. Les gars, on va y arriver. Ah putain. Non. Oui, oh. Putain. Oui, non mais oh, vous avez vu, c'est rouge dessus. Oh la putain de tâche, regarde quand ça fait ça. Oh, c'est pas possible, c'est quoi ce jeu? Mais saute pas. Bien. Voilà les gars, comment perdre un max de balles et commencer comme une grosse merde. Avoir un pistolet qui tremble. Comme c'est pas permis. Oh putain. Mais même au jugé, j'en suis, on y arrive mieux à viser quoi. Regardez, genre. Oh, franchement. Vous avez vu? Voilà, putain, ça me. Oh, bon, autant prendre ça. Au moins, c'est fait. Voilà.
Putain, comment perdre un max de temps? Déjà que j'ai pas le temps. Déjà que j'ai pas le temps. Celui-là, j'avais oublié, je l'avoue. Heureusement que je l'ai vu. Ok, donc il m'en manque un qui est là-bas. J'ai oublié le bijou aussi. Pas comme quoi. Ah là là là. Alors juste, je vais prendre une grenade. Ouais, non, on s'en fout. Il faut que je les garde, de toute façon, les grenades. Ah, mais lâche-moi. Non, on peut pas. Merde. Il me semblait qu'on pouvait. Putain, mais j'ai plus de balles. Bon, c'est parti, c'est pas grave. On gagnera plus de sous comme ça. Dommage qu'on peut pas acheter des balles, quand même. Putain, je peux me faire voir. Il va pas me saouler longtemps, l'autre, là. Ouais, c'est parti. Voilà. Oh non, putain, j'ai oublié ça. Oh, je suis vraiment désolé, gars. Ça va être long, cet épisode. Ouais, c'est le début, hein. M'en voulez pas. Bon. C'est parti. Donc, ce qu'on va faire... Non, merde. Ouais. On va prendre ça, au moins, ça sera fait. On va essayer de prendre un maxi... Vas-y, pousse. On va essayer de prendre un maximum de trésors. Allez, alors là, je vais essayer d'aller du premier coup. Ça serait con de mourir. Ça serait con de mourir. C'est parti, je crois que c'est X. Normalement. Ouais, c'est... Ah merde, j'arrive plus, putain. Vas-y, oh putain, heureusement que c'était pas cette touche là, AB ou je sais plus quoi là. Faut me... Oh putain, sinon j'aurais pas réussi. Oh, et vous imaginez là, j'ai réussi, hein. C'était plutôt chaud là, mais en professionnel. Oh, je crois que j'ai halluciné quand j'ai essayé en professionnel. J'y arrive pas du premier coup, c'est clair que non. Surtout que là, j'ai même plus l'habitude de faire truc comme ça. Mon frère, lui, il a le mode turbo dans les doigts. Mais moi, putain. Bon, peut-être pas jusqu'au mode turbo, mais c'est quand même assez rapide quand même. Mais moi, j'arrive à aller vite, mais pas tant que ça, quoi. C'est assez chaud, quoi. Et en professionnel, franchement, c'est dur, hein. C'est vraiment le seul endroit où je meurs le plus facilement possible. Alors toi, je me rappelle plus comment je faisais. Je crois que je te... Ah non, non. Bon. J'ai fait de la merde, effectivement. Attends, putain, disons. Putain, du coup, je fais n'importe quoi. Voilà, sur un gros débile. Vous voyez, hein, petite astuce comme ça. Et ouais, petite astuce. C'est parti. Putain, raison d'être 4, c'est mythique. Hein. Putain. Oh oh. Non, je vais pas me faire niquer. Par contre, y'a pas une grenade normalement là. Ah non, y'a rien du tout. Des fois j'invente des choses. Bon, alors juste comme ça. Oula, toi t'es méchant. Voilà. Bim. Donc du coup, ce qu'on va faire. Putain. Ok. On va éviter de trop faire de la merde. C'est parti. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est bon. Putain. Ouais. Ce qu'on va faire. J'ai dit ce qu'on va faire. Voilà. On va prendre ça. Au moins c'est fait. Et on va prendre les sous, je crois. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, donc du coup, on va aller là. C'est parti. Et donc du coup après on va finir le premier épisode d'une série qui va être assez longue, je peux vous le dire. Surtout sur un jeu comme ça, je préfère des séries à l'infini. Tellement que je l'aime bien. Merde. Bon, on va prendre la plante, hein. C'est pas de balle qui va nous faire quoi que ce soit. Voilà.
Une balle, ça coûte pas grand-chose. Allez, c'est parti. Donc, du coup, maintenant... Eh ben, ouais, de toute façon, j'ai envie de dire. Hein. Pour faire autrement, on va aller là. Et voilà, bah, je vous laisse avec la cinématique. Like them? No. You? Okay. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? Voilà, voilà, donc le premier chapitre du premier chapitre, dans le premier épisode du premier chapitre fini. Ouais, donc bon, on va sauvegarder bien entendu. Et malheureusement, je vais être obligé de vous dire un au revoir. Mais oui, malheureusement. Ça fait quand même un peu moins de 40 minutes qu'on joue, donc 30-35 minutes. Et donc on est bien obligé de se quitter un jour. Voilà. Donc là, c'est le début du prochain épisode. Donc je vous laisse quand même au moment la cinématique. Unable to resist this intoxicating power. Hey, hey, wake up. Yay. Crawl out of one hole. And into another. You want to tell me what's going on here? Americano, si? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, voilà, donc du coup, whoever you are. Je vais pas vous laisser non plus super longtemps. Came here looking for this girl. Donc du coup, bah, moi je vous dis que c'est fini, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez aimé. Donc du coup, je vous dis au prochain épisode, voilà, donc dans 3 jours. Voilà, donc du coup, je vous dis ciao. Et puis, ciao tout le monde. That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic